Donc, je reprends. Vous étiez dans la jungle et vous voyagez. Vous avez quitté le village. Là, maintenant, ça fait plusieurs heures que vous marchez. Effectivement, Naïm, t'en as plein les bottes. Tu es exténué. Et là, dans la boue, vous marchiez sur le côté. Il y avait peut-être une pente un peu plus abrupte que tu n'as pas fait attention. Et tu te mets à, d'un coup, ça, vu que tu es fatigué, toi, ça cède sous tes pieds, tu glisses et tu commences à dévaler une pente, voilà, comme un toboggan, mais dans les branches, etc. Et tu dévales et tu vas me faire un test de dextérité. Je vais relancer mon jeu. Tu arrives à éviter que les branches te blessent, en fait. Tu vois, ça te fouette. Tu arrives à mettre tes mains à temps. Tu arrives à esquiver à un moment une racine qui était au milieu de ton passage, alors que tu dévales. Et d'un coup, plouf, tu tombes dans une... Ouais, ce qu'on va dire... une espèce de mare de boue. Au moins, tu n'es pas blessé. Tu te dis sauvé. Et là, tu sens que tu commences à t'enfoncer dedans. Les autres, vous venez de le voir disparaître dans un trou de végétation. Sans doute en criant. Hein, je ne sais pas, dis-nous ta descente, Naïm. Comment tu l'as vécu? Ah, clairement, oui, j'ai... J'étais un peu dans ma tête, du coup, j'étais fatigué, tout ça. D'un coup, là, hop, j'ai été surpris, vraiment, j'ai eu le petit cri qui va bien. Et j'ai, voilà. Du coup, j'ai essayé de me calmer un peu pour essayer de me concentrer, pour pas me faire mal. Et arrivé en bas, vous m'entendez râler, clairement. Râler un peu fort, hein. Ça va, Naïm? Non, ça va pas. Je suis trempé. Il y a de la boue partout. Et merde, je m'enfonce, j'ai besoin d'aide. Et, je commence un peu à paniquer. Quand vous l'entendez, en fait, ouais, il est bien plus bas, quoi. Vous entendez une espèce de voix un peu étouffée au loin, qui est bien plus bas. J'arrive quand même à m'extirper de là ou pas trop? Ben non, ben là, sans aide, tu commences à... Tu vois que ça semble assez compliqué. Je crie un peu à... les autres, vous le voyez plus, hein. Est-ce qu'on peut utiliser une hypercorde ou c'est trop dangereux pour Naïm? Vous pouvez lui lancer l'hypercorde et la fixer. Pour Naïm, il faut qu'il va falloir qu'il attrape les poignets. Effectivement. Mais vous pouvez. Ça. C'est pas si pratique que ça comme corde, en fait. Bonne télécorde à l'ancienne. Bah ouais, parce que c'est très très solide, mais c'est coupant comme du... C'est un câble, c'est plus un câble, une hypercorde. Ouais, donc, effectivement, tu peux pas la saisir à main nue. Effectivement, par contre, t'as des poignées mécaniques qui permettent, en fait, par contre, de grimper très facilement. Tu vois, c'est plus dans cette idée-là, en fait. C'est que pour grimper, c'est très facile. Ou pour descendre, hein. Mais effectivement, par contre, vous ne pouvez pas vous en saisir à main nue. Autant que quelqu'un descende avec. Hein, alors, si... Quelqu'un peut descendre avec, hein, oui, effectivement. Et me prendre par la main, ce sera peut-être plus simple. Je regarde les gens costauds et agiles autour de moi. Ouais, ça me dérange pas d'essayer. Il faut être plutôt... Ouais. Tu descends? Je suis partant, ouais. Très bien. Eh bien, tu vas pouvoir... tu vas descendre et je t'invite à faire un test pour voir si tout se passe bien. Et ça va être un test de force. Et tu as le bonus d'équipement. Alors, la corde, il faut que Hamza te... l'objet... C'est toi la corde, normalement, c'est sur la dex. Ou alors c'est sur la dex. C'est ce qui est marqué dans la description, en tout cas. On va voir.
ça serait sur la Dex, peut-être sur la Dex. S'il dit sur la Dex, ça va être sur la Dex. Survie. Ouais, il donne plus 1 au test de Dex lorsque l'on tente de grimper. Ouais, c'est ça. Donc voilà, donc tu as un plus 1 de bonus. Et ça va être un test de dextérité. Eh bien, parfait. Tu descends, tu arrives en bas. Succès limité, donc tu arrives. C'est compliqué hein, quand même. Tu dérapes plusieurs fois dans la boue, tu arrives. Et puis tu arrives en bas. Et tu vois effectivement Naïm qui a de la boue jusqu'à la taille, quoi. Que fais-tu ? Je peux l'atteindre ? Rentrant dans la main, ouais, tu penses que tu peux l'atteindre. Mais ça va suffire, je vais pouvoir le tirer de là avec juste l'hypercorde. Comme ça, tu sais pas, tu penses que tu peux lui saisir la main et le tirer vers toi en tenant à la poignée de l'hypercorde. On essaye, Naïm ? Ah, je veux bien, parce que sinon je vais finir dans l'eau. Bah, dans ce qui ressemble à être plutôt de la boue. En tout cas, merci d'essayer de venir me sauver. Je savais que ce serait toi. Donc là, par contre, c'est un test de force. Vous allez tirer tous les deux. Donc, l'un de vous tire et l'autre l'aide. Donc, j'invite... celui qui tire, de faire son test de force avec un plus 1. Je pense qu'on sait très bien qui va tirer. Voilà. C'est très pénible. Vous arrivez à vous extirper. Et il n'y aura pas d'autres tests après. Et puis, grâce à la corde, tant bien que mal, vous remontez en haut. Naïm, tu es couvert de boue. Et Naïm, je pense que tu t'époussettes ta boue, etc. Tu remarques que tu n'as... tu n'as plus ta paire de jumelles. Pardon ? Elle était accrochée là, comme à son accoutumée, à côté de ta ceinture, je pense, mais à ta ceinture. Et tu n'as plus ta paire de jumelles. Bon, ça aurait pu être pire, ça aurait pu être mes armes, mais... Ça aurait pu être pire, effectivement. Bon, mes beaux-fringues sont ruinés, j'ai perdu mes jumelles. Définitivement, j'en ai marre de cette forêt. Mais ça te va bien, rentre. Là. T'es jolie comme un cœur. Ouais, mes beaux vêtements étaient beaucoup plus beaux sans la boue. Tu dois en racheter maintenant. Merde. Bon, rien d'autre. C'est parce qu'il court la rue. Vous reprenez votre route. Et une partie de la journée avance. Quand il y a votre guide... vous fait un geste et vous dites vous arrêter. Et effectivement, juste à côté de vous, vous voyez à un mètre un petit groupe de mammifères. Plutôt petit. À peine 20 cm de haut. Ça ressemble à des petits chats. Ou plutôt de la taille de petits chats. Ça ressemble à des boules de poils, tout dufteuses comme ça, vertes. Vous les voyez pas, ils doivent avoir des pattes, mais ça se déplace comme ça. Et il y en a, il y en a peut-être. Une dizaine qui sont à un mètre de vous et ils avancent et ils
sont en train de progresser dans la forêt, plus ou moins de vous couper la route. Du moins, leur chemin croise le vôtre. Et ils avancent comme ça, ils commencent à passer tout près de vous. Parce que ça fait des petites grosses boules de poils vertes comme ça. Ils paraissent toutes douillettes, tout doudou. Je dirais, je sais pas, comme des peluches qui avancent. Premier qui met sa main, il la perd, j'annonce. Quelle est la prononce ces mots. Votre guide, Troy, dit j'ai jamais vu ça. Je vous avoue que j'ignore ce que c'est. Je reste parfaitement immobile. De toute façon, plus ça a l'air mignon, plus c'est dangereux. Ça émet un petit son. Oui, oui. Surtout vert, en fait, le problème. Ah bah, tout est vert autour de vous, après tout, ils ont la couleur pour se camoufler. Hein. La nature est souvent bien faite. Vous n'intervenez pas et les petites boules avancent tranquillement avant de disparaître dans la forêt. La dernière de la... puisqu'ils avancent en file indienne, semble se retourner vers vous à un moment et met un petit son, genre « oui, oui ». Et disparaît dans les fous. T'en as besoin d'adopter un, peut-être. Hein. Ouais, ça tombe, c'était le loot ultime qu'on vient de laisser passer. Non, mais de toute façon, c'est des animaux sauvages, il ne faut pas les embêter. Tout est merdique dans cette forêt, il vaut mieux pas y toucher. Exactement. Et je sais que Hamza aurait réussi à les vendre, mais non. J'y ai pensé, mais si c'est vénéneux, tu vois, c'est compliqué de revendre. Au contraire. Ça se revend juste pour même personne, c'est tout. Oui. Vous continuez à progresser. Et vous entendez des cascades. Vous entendez des cascades d'eau. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, vous débouchez sur un petit promontoire, un peu plus dégagé, un peu plus en hauteur. Et vous voyez une cascade, plusieurs cascades qui tombent. Si vous n'étiez pas dans une telle atmosphère et des telles conditions aussi difficiles, le paysage est littéralement magnifique. Il y a des cascades que on se demande d'où vient chacun de ces torrents. Ça fait par contre un bruit assez assourdissant, malgré que vous êtes encore loin. Et ce que vous apercevez, en fait, là, de ce promontoire, vous apercevez votre objectif. Troy vous montre du doigt, et effectivement, vous voyez que au-dessus d'un espèce de canyon, en partie penché vers la rivière, formant presque un pont branlant, vous voyez cet énorme vaisseau qui semblait d'être un destroyer. Vous pouvez, à rigueur, maintenant que vous êtes vraiment prêt, faire un. Pour ceux qui ont un. Je vais vous autoriser deux jets, soit un jet de culture, soit un jet de technologie. C'est à votre choix. Ceux qui ont la compétence, bien entendu. Ceux qui ne l'ont pas, vous ne pouvez pas faire le jet. On peut quand même chacun en faire un. Ah oui, oui. Vous pouvez faire chacun un. Ça va être un peu différent. Naïm, franchement, la boue, t'en as vraiment marre. Et tu ne peux pas te concentrer sur autre chose que cette boue qui te colle, que t'as les... En fait, tu sais, ça a durci. Tu as ton pantalon qui est tout dur. Tu as l'impression que chaque mouvement, tu as l'impression d'entendre des craquements. Tu as l'impression que ton pantalon est en carton. Et c'est très désagréable. Et ça te fait penser à... Tu ne peux penser à rien d'autre. Daini, vu que toi, c'est un jet de culture,
ça, c'est... Tu penses que ça, ça doit dater de la guerre des portails. Que la fameuse guerre qui a isolé le troisième horizon des autres. Et donc, c'est plus... On est effectivement sur un vaisseau plutôt ancien. Voire en lui-même, le vaisseau, on pourrait presque entre guillemets dire une relique. C'est le genre de vaisseau que possède encore sans doute la, des versions même équivalentes de ce que possède la Légion ou encore l'ordre de Deparia dans leur flotte. Toi, de ton côté, Hamza, vu qu'en plus c'est un succès critique, tu te dis que vu que c'est un énorme vaisseau, un énorme destroyer, malgré qu'il semble en ruine et presque coupé en deux, il y a bon espoir, toi, tu te dis, il y a bon espoir de trouver les pièces que vous cherchez. Pour l'ensemble, une bonne raison que... Ben, qui dit gros vaisseau dit des grosses pièces, surtout des certaines pièces que vous auriez besoin, peut-être pas tout à fait les mêmes, mais on va dire équivalentes. Voilà, et surtout qui sont faits pour un gros vaisseau, donc qui sont être plus résistantes, plus solides, et qui ont peut-être, malgré que le vaisseau est plus vieux, qui ont peut-être résisté dans le temps. Et en plus, tu te dis que qui dit gros vaisseau dit qui peut-être qu'à l'intérieur, les plus petits vaisseaux. Et si ces petits vaisseaux sont à l'intérieur de la boîte, la conservation est, c'est peut-être encore plus améliorée. Donc, tu es plutôt optimiste. En tout cas, en voyant de près la chose. Ça a pas l'air dangereux, genre il a pas l'air de s'effondrer, enfin, d'être sur le point de s'effondrer. Ah, ça, tout le monde est conscient que si. Si, d'accord. Alors pas sur le point de s'effondrer, mais voilà, il fait quand même pont branlant, comme j'ai dit. Hein. Ça, vous avez déjà vu des structures qui semblent beaucoup plus, qui ont l'air beaucoup plus stables que ça. Ça, c'est évident. Eh bien, je pense qu'on va trouver ce qu'on cherche pour repartir d'ici. Bah, les gars, on y va. Plus tu seras parti d'ici, mieux ce sera. Voilà. C'est entendu, Dave. On va élucider, vous marchez encore dans la forêt un moment. On va juste faire le point de savoir qui a le score d'observation, non, de survie, le plus haut d'entre vous. Donc survie en tout, ça va être astuce plus survie. Hein. Donc, peut-être Daini. 6. Il y a 6. C'est toi. Oui, bah, c'est toi. Donc, ça va être uniquement Daini. On va s'embêter que tout le monde fasse le test. C'est la personne qui a le plus de chances de succès qui va lancer. Tu vas me faire un test de survie. En fait, vous approchez du vaisseau. La zone autour du vaisseau, il y a des cascades, etc. Il y a. Tu penses que de temps en temps la rivière doit monter plus haut en fait et là elle est plus basse donc il y a une zone un peu voilà un peu humide où finalement il y a moins de la végétation et moins il y a moins d'arbres et il y a pas mal de plantes on va dire d'eau type roseau un peu plus marécageuse Et par contre, il y a la terre effectivement un peu plus meuble, sans être aussi meuble que dans l'espèce de mare où est tombé Naïm un peu plus tôt. Hein. Et tu remarques en fait des pattes, des traces de pattes qui semblent être plutôt de... Ben, tout de suite, tu penses. Hein. Tu penses au félin, au fameux félin que vous aviez déjà rencontré. Prédateur. Je pense pas à des traces de pattes d'ours au miel. Tu peux penser d'ours au miel si tu veux.
T'as droit, hein. T'as pensé que c'est des sources au miel. Alors, t'en as pas croisé dernièrement dans cette forêt, hein. C'est vrai. Que... Eh ben, sans un mot, je l'ai fait observer à mes camarades. Quand tu les vois, en fait, t'as Troy qui examine. Et... Ouais. C'est les prédateurs. Ils regardent un peu la zone environnante. Voilà. Et ils sont nombreux. À vous le voir. On peut y aller maintenant. Dans l'épave. Ou attendre demain. C'est vrai, alors qu'il dit ça, vous vous rendez compte que le soleil est plus très haut dans le ciel. Et que... Ben, vous avez marché quand même de nombreuses heures. Et... Donc, vous êtes... à la fin de la journée. Mais on va arriver à trouver un endroit pour la nuit, assez sûr. Si on reste ici. Ben, faudra peut-être essayer de camper peut-être à l'entrée du vaisseau, ce genre de choses. Je pense que c'est l'idéal. Je vous avoue, je sais comment me rendre jusqu'ici, mais... On n'y vient jamais, quoi. C'est quand même assez éloigné du village. Si c'est un vaisseau, il doit y avoir... différentes pièces. S'il y a différentes pièces, il doit bien avoir une pièce pas trop loin, on peut se barricader pour la nuit. Les prédateurs, là, ils ont pas de main, si. Ça me semble plutôt une bonne idée. Non. Non, pas de main. Quitte à attendre demain, autant le faire dans un endroit sûr. Ouais, je trouve que c'est une bonne idée aussi. Et en plus, il n'y aura pas de bouffe, c'est parfait. Qui sait, il y aura peut-être même une douche encore à l'intérieur. Peut-être pas trop rêvé quand même, mais pourquoi pas. Et là, je crois. Salim, dis-moi, lui qui reste silencieux au milieu de ses compagnons, dis-moi, qu'est-ce qu'il pense, Salim, de la situation? Je pense qu'on... On serait mieux à l'intérieur, ouais. Très bien. Ouais, j'ai cru que j'avais freeze. Ouais. T'as dit que tu serais mieux à l'intérieur. Le monde a freeze. Tout le monde en est conscient, mais t'en penses quoi de la situation? Il est détendu, Salim, il est... J'ai super envie de me défoncer. Oui. Mais ça, c'est vrai. D'ailleurs, tu me fais penser qu'en début de session, je devais t'en parler de ça. Mais... oui, mais effectivement, t'as grave envie de te défoncer. Ben voilà, je pense pas beaucoup à autre chose. Ça m'occupe pas mal l'esprit. Tu verbalises pas que tu... Ah non, je vous ai rien dit. Je transpire juste très fort et je fais attention à rien de ce que vous dites, quoi. J'ai juste envie de... D'ailleurs, je pense que t'arrêtes pas de penser... Un petit truc que tu as au fond de la poche. Et si tu te dis. Si on s'arrête pour camper, ça serait peut-être bien, non? Ouais, c'est tentant. Surtout si. Si je peux m'isoler. Je sais pas. Si je peux trouver un moyen de. D'être un quart d'heure tout seul, quoi. Ah! Nous allons voir, est-ce que tu vas prendre ce quart d'heure? En tout cas, vous arrivez jusqu'au vaisseau. Effectivement, pour rentrer dedans, il y a plein de possibilités. Le vaisseau étant brisé en deux, il dit au-dessus d'une rivière, vous entendez ce torrent qui s'écoule un peu plus bas. Et donc, vous tentez de trouver, de vraiment rentrer dedans.
Ah, du moins jusqu'à ce qu'on trouve une pièce facile à sécuriser. Ah oui. Très bien. Nous... enfin, moi, c'est mon idée. Oui, oui. Ça me va bien aussi. Ouais. Mais... ah, on y va doucement. Hein. Genre en commando, là, tu sais. Est-ce qu'il y a encore courant, peut-être? Ouais. Alors là, clairement, non, il n'y a plus de courant. Tu vois clairement que le truc... Hamza, il n'y a clairement plus de courant. Je pense qu'entre les douches et le courant, je ne sais pas qui est-ce que vous avez prié avant de partir. Mais... est-ce que nous, voilà, on a des lampes sur nos armes? Alors, ça va dépendre de vos armes. Mais en fait, ceux qui ont des... hormis les armes de poing, oui. C'est-à-dire ceux qui ont au moins des carabines Vulcain sont équipés de lampes-torches. Parce qu'effectivement, s'il y a des traces de prédateurs, là on est typiquement devant une caverne où ils se sont installés. Donc voilà, on va peut-être se jeter dans la gueule du loup. De toute façon, c'est bien là qu'on doit aller, non? Dans la gueule du loup, certainement. Je pense qu'on ne trouvera pas les pièces dehors, de toute façon. Qu'on je y aille maintenant ou demain matin. Et les prédateurs, ils sont plus diurnes ou nocturnes? Vous êtes fait attaquer quand? Vous êtes fait attaquer deux jours. Mais alors que tu t'exprimes, Troy, il dit, en général, la chasse, les prédateurs, comme bien souvent, les prédateurs chassent la nuit. Personne n'a de fumigène, quelque chose qu'on pourrait jeter à l'intérieur? Non. Alors, eh ben... je suis capable de vous faire du feu, c'est ce que vous dites, Roy, si on fait un campement. Après, effectivement, hein, si maintenant on s'enfonce dans le vaisseau, comme j'avais dit, ça implique même manière que de l'explorer. On va être dans l'obscurité, quoi. Après, on peut espérer que le jour, vu que ça a l'air quand même, et regarde l'état du vaisseau, à nombreux endroits, une passoire, on va quand même avoir un peu de lumière, quoi. Mais si vous n'êtes pas prêt à effectivement peut-être explorer le vaisseau dès maintenant, mais qu'on trouve un lieu pour camper, ce serait peut-être bon d'éviter de trop s'enfoncer à l'intérieur. Quoi. Alors, si on avait des jumelles, en plus, on aurait peut-être pu regarder un peu les patterns des prédateurs et voir s'il y avait des allées et venues. Bon, on pourrait, avec nos yeux, justement, voir cette nuit s'il y a des allées et venues et pas avoir de mauvaises surprises. Si tu veux, je sais où il y a une paire de jumelles. Dans une grosse mare pleine de tourbe. À une demi-journée de marche. C'est ça. Quel dommage d'avoir perdu. Ouais. J'aurais enfin pu m'en servir, c'est con. Après, si tu veux des mouvements, je te rappelle que tu as un appareil qui détecte les mouvements, ma chère Dany. Tout à fait. C'est pour ça que, effectivement, moi, je vous propose, hein, mais après, je n'impose rien, de faire un petit campement, d'avoir du feu, et puis de faire un petit repérage. Bon, après, je suis sceptique sur le fait que si les prédateurs chassent la nuit, camper dehors, c'est mieux que d'essayer de déloger des prédateurs qui sont chez eux. Parce que s'il y a vraiment des prédateurs partout dans cette forêt qui chassent la nuit et qu'on dort dehors, bah ben personnellement... on aura un feu, on sera... Ah, c'est vrai que là, effectivement, vous êtes dans une zone assez à découvert et un peu marécageuse, comme je dis. Moi, aller dans des endroits un peu exigus où il y a des choses vraiment tapies dans des coins, je sais que Naïm va, lui, se sentir très, très vite à l'aise au sein du vaisseau, mais... voilà.
Oui, mais on ira demain. On est bien d'accord qu'on est là pour ça. Oui, bien sûr. Donc pourquoi risquer de passer la nuit dehors alors que de toute façon, demain, on va y aller? Comme vous voulez. Moi, je vous suis de toute façon. Je propose juste une alternative. Pour avoir un tour en dur. Très bien. Ouais, pareil aussi. Peut-être pas s'enfoncer trop dans le vaisseau, mais si on peut s'avancer un petit peu dedans, ça pourrait être pas mal. Avec passer devant. Avec ton détecteur de mouvement, en plus, ça peut le faire. Oh, c'est drôle, on a une... Oh. On a du spam. Ouais. Vous entrez bien. Quelqu'un va pouvoir me faire un. Je pense Daini toujours, parce qu'elle est toujours la première. On va considérer qu'il y a trois tels un peu. Tu vas faire un test de survie avec un plus 1. Et voilà. À l'entrée du vaisseau. Donc, alors que le soleil se couche, vous voyez la lumière passer à travers quelques orifices et autres. Effectivement, vous sentez que le vaisseau a connu de meilleurs jours. Hein. Comme il dit, il est brisé en deux, mais il y a des endroits à l'intérieur où littéralement des endroits qui se sont effondrés. Il y a plein de choses que ça ne va pas être simplement se promener dans un vaisseau. Et que vous prenez conscience que c'est vraiment se promener dans une ruine. Cependant, Naïmi, grâce à, avec l'aide de Troy, vous trouvez un endroit qui semble être une pièce peut-être de maintenance. Du moins, vous voulez un endroit pour vous abriter. Vous n'avez pas vu spécialement à l'intérieur de traces qui semblent être récentes, forcément, de passage de félin. Qui indiquerait que c'est leur tanière, par exemple. Ça, vous n'avez pas vu de traces de ce genre de choses. Une trace, pas d'animal. Après, il y a toujours des traces d'animaux. Hein, c'est-à-dire que vous voyez des petites croquettes d'animaux, des petites choses. Rien qui pisse spécialement. Après, vous êtes dans un truc qui est un peu ouvert aux quatre vents. Hein. Donc, oui, il y a des traces d'animaux. Il y a des insectes qui grouillent par endroits. C'est humide aussi. Il y a beaucoup d'humidité. Et vous campez. C'est bien ça. Par contre, faire un feu là-dedans, ça va être compliqué, non? Ben, il y a quand même une ouverture. Dis, après, il y a des ouvertures, hein. c'est pas vraiment... Ok, ça va. Comme je te dis, après, ils ont... Voilà, Daini a déniché un lieu où on peut camper et faire un feu. Hein. Ils ont déniché un lieu qui semble être parfait. Correct, sans trop s'enfoncer dans le vaisseau. Ah, d'accord. Excuse-moi, j'étais... Vous êtes vraiment entré, vous n'êtes pas trop entré dans le vaisseau en fait. On est dans une pièce qu'on peut sécuriser. Il n'y a qu'une entrée si c'est ce que tu veux. Ouais, mais c'est fermé. C'est pas... Il n'y a qu'une entrée et derrière nous, il y a tout le vaisseau. Fermé, hein. C'est pas fermé. Il y a une porte, mais la porte, c'est pas des portes. Ça se ferme pas. Non, d'accord, oui, mais je veux dire, c'est ça. Sans électricité, ça s'ouvre pas. Hein. C'est... Oui, mais pardon, j'étais en train de virer des messages sur le truc, donc j'ai pas tout entendu. On est dans une petite pièce. Une petite pièce. On n'est pas dans un couloir. D'accord. Non, c'est vous bon. Êtes dans une petite pièce et où il y a suffisamment. Il y a un peu. Voilà, on voit un peu de trous, de canalisation et autres qui doivent mener vers l'extérieur, qui font que la fumée va pouvoir s'échapper. Effectivement, un lieu idéal sans doute pour faire un campement. Il n'y a pas de traces d'animaux qui auraient éventuellement établi leur tanière. Voilà. Il n'y a pas un ours de 100 tonnes qui dort dans un coin. De toute façon, au pire qu'à l'aile, tu peux lire leurs pensées. Ça marche que sur les humains. Mais bien sûr.
Est-ce que vous faites des tours de garde? Non, bah non. On va tous dormir en même temps. Est-ce que vous faites tous, un tour de garde? Peut-être pas. Je pense qu'on peut tous faire un tour de garde, ça nous fera dormir plus. Oui. Je prends celui au milieu de la nuit. Je prends le premier. Oui, j'allais dire. Ça, moi, je veux savoir. Salim, tu prends lequel tour de garde? Le premier? Très bien. La nuit débute. Vous êtes fatigué. Vous demandez sans doute pas vos restes. Vous mangez un peu les rations. Donc, Troy a amené les rations du village. Donc, il partage les rations. Et vous mangez vos rations. Vous êtes fatigué. Naïm, on peut plus. Il doit avoir des ampoules aux pieds et encore de la boue dans ses chaussettes. Et donc, à moins que vous me dites que vous fassiez autre chose, vous couchez et vous commencez à dormir. J'imagine qu'il n'y a absolument aucun mur d'icône dans le coin. Là, non, hein, au milieu de nulle part, rien ne t'empêche de prier avant de te coucher, au contraire. Hein, vous pouvez faire les trois prières par jour, sans souci. Ça peut être entendu quand même. Effectivement, tu ne. Oui, bah, je vais prier la Dame des Larmes, le voyageur. Et c'est quoi? C'est l'autre, le dieu? Son visage. Voilà, le son visage. Le son visage. Je vais passer un peu de temps à prier. Donc, et la nuit commence. Salim, la nuit a débuté. Tu entends quelques bruits d'animaux, divers et variés, plutôt qui semblent résonner à l'extérieur. Et puis des bruits de grincement de métaux qui grincent, qui résonnent. Puis il y a ce torrent qui ne s'arrête pas. Tu voulais 15 minutes tranquille. Ouais. Bah, au début, je suis un peu agitée. J'ai du mal à me poser. Je regarde, je veille sur le sommeil des autres. Je regarde comment ils dorment. Je pense que j'attends que mon tour soit bien avancé et j'essaye de mettre, je sais pas, la rage ça se fume. Oui. Ouais, ou j'essaye. Peux, normalement, après ça peut aussi se mélanger à des boissons alcoolisées, mais toi t'en as pas spécialement sous la main. Mais est-ce que tu fais le difficile? Tu pourrais le mélanger à ton eau. Hein. Je pense là, toi t'es plus à ça près. Hein. Ouais, c'est ça, c'est que je veux pas que ça se sente. Tu pourrais, vu que ça se mélange, c'est marqué, c'est quelquefois ça peut être ajouté à un autre substance qui s'appelle le vin onirique. Mais tu sais que bon, c'est moins agréable, mais si tu veux vraiment être discret, effectivement, tu pourrais le manger, quoi. J'ai chiqué la rage. Ouais, ouais. Alors, ça va pas être agréable, mais là c'est vraiment ouais, une consommation à l'arrache, quoi. C'est vraiment ça a un goût affreux et fort dans ta bouche au début. Je pense qu'au début t'es limite à avoir un sentiment d'avoir envie de vomir en fait, alors que tu mâches et que tu sens ce goût. C'est pas pareil que quand tu en fumes, quoi. C'est, tu m'imagines, je sais pas, on va commencer à mâcher du tabac et ça n'a pas vraiment le même effet au niveau. Mais au bout d'un moment, tu sens que petit à petit, ça, les effets de la chose se font sentir. Je suis plus de la gueule demain, comme jamais. Tu vas faire un test d'observation et tu vas avoir un moins 1 parce que tu es camé. J'utilise un point d'ombre. Ah, bien sûr. Tu
sais que par contre, tu nous spoiles tes points sur le stream. Je sais, c'est fait exprès. Ah, d'accord. Parce que mes points, c'est pas un secret, en fait. Ah. Et au moins, là, vous voyez, vous pouvez voir que ça diminue. Parce qu'autrement... tu peux prier le joueur, hein, si tu souhaites. On va tous mourir parce qu'il y a un jeune qui est à la vigie. Mais comment je fais? Tu cliques sur prier l'icône du joueur juste en dessous ou t'aider là. Je mets des modificateurs ou pas? Ah, non, j'en mets pas. Hein. Oh, oh. Ah, mais il va croire qu'il hallucine. Tu vois des éléphants roses, c'est ça? Eh ben, en t'es, couloir. T'es très détendu. Et puis tu entends. Tu entends à un moment des. Je pense que tu rêvais un peu, t'entends des sons. Tu penses qu'au début tu hallucines. Et puis. Plus t'as prié le joueur, quoi. C'est quelqu'un qui. C'est l'icône à double face, quoi. Et puis d'un coup, en même temps. Tu joues un peu un jeu dangereux pendant ton temps de garde à consommer ce genre de stupéfiant. Ouais. Et effectivement, tu te dis, tiens, j'entends mes amis ronfler. Et puis au bout d'un moment, concentre sur ces ronflements. Il y a un problème. Ça ne vient pas de tes amis. C'est très léger. Ça ressemble peut-être à un grondement au milieu de ce bruit en plus d'eau cascade. Et dans l'obscurité, tu vois des yeux briller dans le noir et te fixer. Et nous arrêtons là pour ce soir.